époux sont des maris fidèles et des papas très gentils. Mais quand ils ont faim, ils sont capables de dévorer n'importe qui. Un mouton, un berger, une grand-mère ou un bébé. Autrefois, on en croisait dans les forêts. Ouh, quelle horreur! Aujourd'hui, il faut faire la queue aux zoo pour se faire peur. Je dois traverser la forêt pour porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand. Tu viens avec moi? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche mon bonnet, mais je ne le trouve pas. Ah, le voilà! Champion! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche mes chaussures, mais je ne les trouve pas. Ah, les voilà! Bravo! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche mon nœud papillon, mais je ne le trouve pas. Ah, le voilà! Formidable! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche mes lunettes, mais je ne les trouve pas. Ah, les voilà! Extra! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche ma culotte, mais je ne la trouve pas. Ah, la voilà! Incroyable! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je cherche mes chaussettes, mais je ne les trouve pas. Les voilà! Félicitations! Tenez, monsieur le loup, régalez-vous. Merci beaucoup. J'aime la galette. Savez-vous comment? Les sorcières, c'est des vieilles soupières. Être sorcière, c'est pas sorcier. Il faut surtout de la méchanceté. Avoir envie d'enquiquiner toutes les princesses et les fées. Ensuite, il faut trouver des balais qui savent voler, des chaudrons, un vieux grimoire et de la bave d'araignée. Alors, il ne reste plus qu'à chercher une bonne histoire et... entrer. Thank you.
Les cauchemars, ça fait peur aux trouillards. Les cauchemars sont des films affreux qu'on s'invente en dormant. On croit que c'est pour de vrai et on a peur, évidemment. On comprend que c'était faux seulement en se réveillant. Raconter ou dessiner ses cauchemars, ça aide à s'en débarrasser. Déplace la souris sur les objets qui sont dans la chambre pour faire des cauchemars à la pauvre Mimi. Pour interrompre le cauchemar, clique sur l'abat-jour. Ça sent la chair fraîche. Tu dois sortir les enfants qui sont tombés dans la bouche de l'ogre. Attrape-les avec la souris et fais-les sortir pendant que l'ogre a la bouche grande ouverte. Attention, ne fais pas sortir les enfants quand l'ogre ferme la bouche, ça le réveille. Les ogres mangent énormément et ils adorent les enfants. Comme ils les aiment croustillants, ils les engraissent bien avant et ils les avalent en entier, sans prendre le temps de les déshabiller. Bonne nouvelle pour tous les enfants, surtout les plus appétissants. Aucun ogre ne s'est échappé d'un conte de fées jusqu'à présent. Les requins, c'est très vilain. Les requins sont de terribles chasseurs. On a raison d'en avoir peur. Ils ont plusieurs rangées de dents, toutes tranchantes comme des lames de rasoir. Leur peau est pleine de petits piquants et ils adorent l'odeur du sang. Ils ne se baignent pas sur nos plages. Ouf, heureusement. Pour jouer, clique sur un aileron. Regarde bien ce qui sort de l'eau et essaye de t'en rappeler. Clique sur un autre aileron et regarde. Si c'est la même chose, c'est gagné. Sinon, essaye avec un autre aileron. Tu dois retrouver toutes les paires. Thank you.
Le Yeti, il est peut-être gentil. Le Yeti est une bête énorme, moitié singe et moitié homme. On dit qu'il vit dans l'Himalaya, les plus hautes montagnes du monde. Dans la langue qu'on parle là-bas, on l'appelle le Metogangmi. Un alpiniste prétend l'avoir rencontré, mais il ne l'a pas photographié. Alors, on ne sait toujours pas s'il est vivant ou inventé. Nous sommes en direct de l'Himalaya où les courageux montagnards vont tenter de photographier le Yeti. Choisis le nombre de joueurs en cliquant sur le chiffre. Choisis les couleurs des pions en cliquant sur les cases. Et voici le seul candidat. Ils sont prêts pour le départ. On vient de voir arriver des dés. Le premier candidat va choisir sa direction et cliquer sur les dés. Le bleu a réussi à photographier le Yeti. Nous sommes en direct de l'Himalaya où les coups... Le tonnerre, c'est une grosse colère. Tu vas faire de la musique avec le tonnerre. Choisis des nuages et des instruments de musique et dispose-les dans le ciel. Pour faire jouer ta musique, clique sur le bouton « Vélo ». Pour arrêter la musique, clique sur le bouton « Vélo ». Pour enlever un nuage, mets-le sur le soleil. Pour remplacer un nuage, mets-en un autre par-dessus. Pour jouer une musique au hasard, clique sur le bouton « Note de musique ». Pour enlever tous les nuages, clique sur le bouton « Soleil ». Le tonnerre est la grosse voix de l'orage. On l'entend toujours après avoir vu un éclair dans le ciel. L'éclair est une étincelle qui zigzague en réchauffant l'air. Quand cet air chaud se cogne à l'air froid, il fait gronder le tonnerre. Peur. La murène est un poisson qui ressemble à un serpent. Elle a un corps qui n'en finit pas, avec au bout une tête affreuse. Sa peau est couverte de dessins, on dirait des peintures de guerre. Elle n'a pas de langue,
mais des dents qui mordent en empoisonnant. Tu dois aider le banc de poissons à arriver jusqu'en haut. Mais attention, il faut éviter les murènes qui sortent de leurs trous pour essayer de les manger. Ouf! Bravo! Tu as réussi à sauver tous les poissons. Les monstres s'affichent un peu la frousse. N'importe qui peut être un monstre, à condition d'être bien moche. Avoir 100 bras, par exemple. Et si possible, des poils partout. Pour être un monstre, la laideur, c'est obligé. Mais pas la méchanceté. Il y a d'affreux monstres gentils qui pleurent tout seuls, chaque nuit, parce qu'ils en ont assez de faire peur et de ne pas avoir d'amis. Bienvenue à l'usine à monstres. Pour faire un monstre, clique sur un bouton « Corps de monstre ». Pour ajouter un nez, clique sur le tube à nez. Pour le colorer, approche-le du robot à peinture. Fais pareil pour les autres parties du corps. Pour enlever un morceau, mets-le dans la poubelle vorace. Pour faire vivre ton monstre, clique sur le cœur. Pour faire un monstre automatique, clique sur la spirale. Pour faire un nouveau monstre, clique sur le petit monstre. Mm-hmm.
Ça porte un drap. Sinon, tout nu, ça ne se voit pas. Ça traîne des chaînes pour faire du bruit. Sinon, ça ne s'entend pas. Ça aime bien les châteaux hantés. Ça essaie de se faire remarquer. Mais ça rate son coup à chaque fois. Parce que ça n'existe pas. Pour faire disparaître les fantômes, il faut que tu déplaces chaque fantôme sur son jumeau. Petit chez la souris, sauf sa queue et son appétit. Tout est léger, car tout compris, elle pèse à peine le poids d'une noix. Tout est plutôt mignon aussi, sauf sa manie de faire des petits. Elle en fait des centaines par an. Ça finit par être inquiétant. Aide la souris à aller jusqu'au fromage. Attention, quand les chats bougent leur queue, le chemin est modifié. Les dragons, c'est trop bougon. Les dragons volent et crachent du feu, dans les contes seulement. Mais il existe des lézards géants qu'on appelle les dragons de Komodo. Même s'ils n'ont ni ailes ni feu, on ne doit pas être rassuré face à eux, car ils peuvent mesurer 3 mètres et peser 130 kilos. Regarde ces deux dragons. Ils ont l'air d'être vraiment pareils. Pourtant, ils ont 7 détails qui sont différents. Trouve-les et clique dessus.
Lumière. Le noir, c'est ce qui remplace la lumière quand elle s'en va et donne à ce qu'on connaît un air qu'on ne reconnaît pas. Mais ça ne change rien, ça ne touche à rien. Si on a peur et qu'on allume, très poliment, le noir s'en va. Regarde ce qui se passe quand tu cliques sur la lampe pour l'éteindre. Tu peux colorer l'image avec le pinceau. Choisis les couleurs en cliquant sur les tubes de couleurs. Pour colorier une autre image, clique sur la lampe. Waouh! L'imagination, c'est pas du bidon. Waouh! Le plus magique pour se faire peur, en fait, c'est l'imagination. Tout ce qu'on invente dans sa tête pour se donner des frissons. C'est de là que sont sortis les ogres, les sorcières, les dragons et aussi les lutins et les fées, toujours prêts à nous rassurer. Ceci est un livre magique. Il te suffit de choisir deux personnages de ton choix pour entendre une histoire avec ces personnages. Il y a plein d'histoires différentes. Il était une fois un lutin qui n'avait peur de rien. On avait beau le prévenir des dangers qui menacent un petit lutin, il n'en faisait qu'à sa tête. Un jour, il décida d'aller se promener du côté du pont du Pendu. Tout le monde sait que cet endroit de la rivière est un endroit à éviter, car c'est tout près de là que le dragon habite. Mais notre lutin part en sifflotant. Ce n'est pas un dragon qui va l'arrêter. Et notre lutin marche. Il s'étonne un peu que le chemin soit aussi en pente. Il ne savait pas qu'il y avait une montagne à cet endroit. Arrivé tout en haut, il profite de l'altitude pour regarder s'il aperçoit le dragon. Rien à l'horizon, pas le moindre dragon. Notre ami redescend de la montagne en sifflotant. Arrivé en bas, il s'assoit un moment sur un rocher qui surplombe la rivière. Mais voilà que soudain le rocher se met à bouger et s'élève dans les airs. « Ça alors !» s'écrie le lutin, « je me suis assis sur un rocher volant. Emmène-moi chez moi, rocher !» Le dragon, car c'était lui, pensant qu'il avait affaire à un génie, obéit au lutin et devint son moyen de transport favori. Il était une fois une fée qui ne faisait pas très attention à ses affaires. Un jour, elle fait tomber sa baguette magique qui se casse en deux. La fée la porte aussitôt chez le réparateur qui la répare avec un joli fil doré, mais depuis cet accident, elle marchait moins bien. Un jour, la fée rencontre un ogre affamé qui lui dit « Eh, dis donc, la fée, tu me fais un énorme repas d'un coup de ta baguette ou je te croque illico ?» La fée essaie de protester, mais l'ogre n'avait pas l'air d'être d'humeur à plaisanter. Apercevant une souche, elle pense qu'elle pourrait en faire une table avec l'aide de sa baguette. Une autre souche, plus petite, ferait un siège pour l'ogre. Cette grosse bûche allait faire un beau rôti et cette branche de pin, une belle tranche de pain. Alors ça vient, dit l'ogre qui commençait à s'impatienter. Tout de suite, dit la fée, je te prépare une magnifique salle à manger. La fée ferme les yeux
et lançant des petits coups de baguette dans toutes les directions, commence la transformation. Quand elle ouvre les yeux, elle voit l'ogre au milieu d'une salle de bain, lavabo, cabinet, douche, tout le confort. Décidément, sa baguette magique était vraiment détraquée. L'ogre n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on mange? La fée excédée lui crie « Lave-toi les pieds, ça te fera pas de mal !» Et elle retourne chez le réparateur de baguettes avec la garantie parce que quand même, il n'y a pas de raison. Il était une fois une sorcière qui était amoureuse d'un ogre. Un jour, elle l'invita à déjeuner. L'ogre accepta avec plaisir. Dès qu'il s'agit de manger, les ogres sont toujours d'accord. En arrivant, l'ogre ôta ses bottes pour se mettre à l'aise. On se mit à table et la sorcière apporta un chaudron fumant. Elle servit à l'ogre son fameux bouillon d'araignée dont toutes les sorcières raffolent. Après ce bouillon peu nourrissant, l'ogre avait encore bien faim. Mais la sorcière n'avait rien prévu d'autre. Les sorcières font attention à leur poids. L'ogre n'était pas content du tout. Il commença à traiter la sorcière de vieille radine. La sorcière vexée lui répondit par un abracadabra qui le transforma illico en jambonneau. À ce moment, on frappa à la porte. C'étaient des enfants perdus. Ils avaient faim. La sorcière, qui n'avait jamais eu d'enfants, les aimait bien. Ils s'installèrent à table et ils partagèrent un délicieux jambon. Puis ils repartirent avec les bottes de l'ogre, un cadeau de la sorcière. Il était une fois une fée un peu prétentieuse qui était persuadée qu'elle était la fée la plus forte du monde. Il faut reconnaître qu'avec sa baguette, elle faisait des trucs étonnants. À l'autre bout du village vivait une sorcière qui, elle aussi, dans sa spécialité, prétendait être la meilleure. Je ne vous raconte pas les horreurs qu'elle pouvait faire avec ses formules. Or, un jour, la fée se trouva nez à nez avec la sorcière. « Pousse-toi de là !» dit l'une. « Du balai !» dit l'autre. Comme aucune ne voulait céder, elles commencèrent à s'insulter. Comme les insultes ne suffisaient pas, elles se jetèrent des sorts. La sorcière transforma la fée en télévision. Aussitôt, la télévision transforma la sorcière en soupière. Alors, la soupière transforma la télévision en souris. Alors, la souris transforma la soupière en fromage et le mangea. Un chat qui passait par là, voyant la souris, l'avala. Depuis ce jour, il n'y eut plus de fées ni de sorcières dans le village. Tout est calme, à part peut-être parfois un chat qui a l'air de se disputer tout seul. Il était une fois un ogre et un dragon qui s'entendaient comme larrons en foire. Quand l'ogre avait besoin d'un coup de main pour faire peur à des enfants, il savait qu'il pouvait toujours compter sur le dragon. Et quand le dragon avait un problème avec un prince qui voulait se faire bien voir par une princesse, l'ogre rappliquait illico pour l'aider. Mais un beau jour, l'ogre tomba amoureux de la fille du roi, la princesse, quoi. Ce sont des choses qui arrivent même à des ogres. Avec sa plus belle écriture, il lui écrivit une lettre enflammée. La princesse lui répondit que pour l'épouser, il lui suffirait de débarrasser le royaume du dragon qui enquiquinait tout le monde. L'ogre était embêté, le dragon était son ami, mais il aimait tant la princesse. Que faire? Il alla trouver le dragon et lui expliqua son problème. Le dragon était très embêté, car il aimait bien l'ogre, mais pas au point de se sacrifier. Soudain, l'ogre dit « J'ai une idée ». Il chuchota son idée dans l'oreille du dragon. « Formidable !» s'écria le dragon. L'ogre attrape un pot de peinture et peint le dragon en cheval. Il prend une vieille mue de dragon, c'est une vieille peau qui ne sert plus, et s'élance sur son cheval dragon vers le château de sa bien-aimée. L'ogre présenta la vieille peau à la princesse, preuve que le dragon était mort, demanda qu'on mette son cheval chinois à l'écurie et épousa la princesse. Depuis ce jour, on n'entendit plus parler d'ogres ni de dragons dans toute la région. Thank you.
Bonjour les amis. Voici le quiz show. Un vieux grimoire, c'est un livre avec des formules magiques? Bonne réponse. C'est dans un grimoire que la sorcière conserve ses formules magiques. Faut-il dormir pour faire un cauchemar? Oui, bien sûr. Faut-il être gentil pour être une sorcière? Non, il faut être très méchante. Les grands sont-ils les seuls à avoir de l'imagination? Bien sûr que non. Tout le monde en a de l'imagination. Est-ce que les objets se transforment vraiment dans le noir? Bien sûr, c'est seulement notre imagination qui les fait se transformer. Les ogres mangent-ils très peu? Bonne réponse, ils mangent énormément. Tu veux arrêter de jouer ?